affaire Bonbon Sucette, 7 prévenus sous mandat de dépôt. 7 personnes du ministère de l'Éducation nationale impliquées dans l'affaire dite de Bonbon Sucette de 8 milliards d'ariages ont été placées sous mandat de dépôt hier après leur audition au pôle anticorruption aux 67 hectares. D'après des sources informées, ces prévenus sont de hauts employés du ministère de l'Éducation, des employés de la Poste Malagas et ceux qui ont obtenu le marché. Ils sont accusés d'abus de pouvoir, de favoritisme, de corruption, de faux et usage de faux. Quant à l'ancienne ministre de l'Éducation nationale, seule la Haute Cour de justice est habilitée à la juger. Pour l'instant, cette instance n'est pas encore opérationnelle.